Ce week-end, je suis allé voir le nouveau film de Tina Fey et Paul Rudd, Admission, un mélange de comédie dramatique et romantique. Et dans le film, Tina Fey incarne une femme qui est en charge des admissions à la célèbre université de Princeton. C'est une femme qui se dit elle-même comme étant plate, elle a une vie rangée, organisée, le même chum depuis longtemps, pas d'enfant. Et Paul Rudd, lui, incarne tout le contraire. C'est un homme célibataire avec un jeune garçon adopté. Il est imprévisible, il voyage constamment, donc il ne sait jamais où il va être le lendemain. Donc, quand les deux personnages se rencontrent, il se passe beaucoup de choses. Entre autres, le personnage de Paul Rudd lui présente un adolescent qui pourrait être le garçon qu'elle a donné en adoption lorsqu'elle était jeune. Je ne vous conterai pas le reste de l'histoire, mais c'est... Attendez-vous pas au genre de film où vous allez vous taper les mains sur les cuisses. Non, c'est pas ce film-là. C'est plutôt le genre de film avec une morale qui va vous faire sourire, passer du bon temps. Ça peut être aussi un film que vous pourriez louer. C'est un bon film si vous aimez Tina Fey et Paul Rudd. Je lui donne un 3 sur 5. Le film Admission est en salle dès maintenant.